Mirador, la plus grande à Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Le temps pour le Smart Tech Alpha Daouné de joindre l'ancien ministre Alassane Makana Kaké, qui a donc été accusé hier par Marcel Guilavogui à la barre du tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel. Quelques réactions au pas de charge de... Oui, est-ce qu'il est là déjà? Oui, on me fait signe qu'il est là. Voilà, sans tarder, Alassane Makana Kaké chez Mirador. Bonjour, monsieur Kaké, bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue sur nos antennes. Talibé Barré. Alors, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, monsieur le ministre. Alors, l'accusé Marcel Guilavogui, en tout cas, on va le dire, reproche à vous, en tout cas, et à votre femme, madame Émilie Koivogui, de l'avoir délesté de sa maison contre la promesse de le mettre en liberté. Est-ce que vous avez suivi ce passage de Marcel? Ouais. On a vu votre réaction par la suite, mais est-ce que cela n'est pas compromettant pour vous et votre épouse, M. Kaké? Que répondez-vous face à ces accusations quand même qui sont très très graves, M. Kaké? Bon, évidemment, excusez-moi, je suis un peu grippé. Évidemment, je n'ai pas suivi directement M. Marcel, mais j'ai suivi le compte-rendu des journalistes. Mais je voudrais vous dire deux choses. Moi, mes témoins sont la maman de Marcel, ses soeurs et son avocat actuel, Maître Béabogui. Deuxièmement, quand on veut parler haut et fort, on fait attention à ce qu'on fait. Donc, dans aucun dossier de fausseté, vous ne trouverez pas mon nom. Ça, je vous le garantis. Ça, dès l'entame, je vous garantis ça. Et troisièmement, tous ceux qui m'ont approché, même mes pires adversaires, si vous leur demandez, ils vont dire l'homme là est honnête. Akoumba peut demander ce soir à Senouda, le temps on était ensemble, à chaque fois on lui a parlé de moi, il dit de tous mes alliés, c'est à Makané là que j'ai confiance. Bien. Donc je parle aujourd'hui pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui m'ont approché, même s'ils sont mes adversaires, ils savent ce que je suis, qui je suis. Maintenant, par rapport à Marcel, ouais, je vais vous raconter rapidement. Je n'ai jamais connu Marcel quand ils étaient au pouvoir. Un bon matin, ma femme vient en pleurant. Il dit, mon frère va mourir en prison. Il ne peut même pas marcher. Je dis, mais pourquoi il est parti en prison? Il me dit, il est victime d'un règlement de compte. Je dis, quel règlement de compte? Il dit, parce qu'il est un homme sûr de Dadis et tout le monde a peur d'être dans l'armée. Les gens de Sekouba ont eu peur de lui pour ne pas qu'il les renverse. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison dans l'affaire du 28 septembre. J'ai dit, quelles sont les preuves que vous disposez? Il dit, à la veille, il avait fait un accident, sa langue même était presque coupée, on a cousu. J'ai dit, vous avez les dossiers de tout ça? Ma femme me dit, oui. C'est en ce moment que je me suis intéressé au dossier de Marcel. Oui. Vous comprenez? Oui. Je n'ai même pas vu son avocat, j'ai parlé avec lui au téléphone. Mais ce qui était urgent, il était malade, il n'avait rien. J'ai pu démarcher pour qu'on le permette de se faire traiter. Je crois qu'il a fait 2 mois à Donka. Les premiers 2 millions pour son traitement, c'est moi qui ai payé de ma poche. Jusqu'à présent, Marcel ne m'a pas remboursé. Ouais. Parce qu'il devait vous rembourser? Oui, il devait me rembourser, c'était une dette. À hauteur de combien? C'était 2 millions. J'ai payé pour son traitement. Mais vous n'allez pas réclamer quand même. Vous n'allez pas réclamer 2 millions quand même, monsieur le ministre. Vous n'allez pas réclamer 2 millions. Est-ce qu'il y avait un engagement écrit? Vous n'allez pas réclamer 2 millions à Mohamed Kaba quand même. Ouais, quand même Marcel, le pauvre Marcel. Bien. Je n'ai pas donné. Il m'avait dit, donnez quand on aura l'argent, on va vous rembourser. Je n'ai pas réclamé non plus, hein. Ça, je voudrais que vous retenez ça. Bien. Deuxièmement, oui. S'il dit qu'il a remis le bâtiment à moi, s'il avait dit l'argent, on allait avoir des problèmes. Parce qu'on peut prendre l'argent dans un sac, rentrer dans le salon, vous remettre et sortir, ni vu ni connu. Mais si c'est un bâtiment, soit je l'occupe maintenant ou je l'ai vendu. Mais je vous garantis que ni Marcel,
ni sa maman, ni ses soeurs, on n'a jamais parlé de bâtiment. Bien, mais moi, je vais vous même opposer. Je vais vous rappeler ces propos de Marcel à la barrière. En 2014, oui. Je suis tombé malade et j'ai passé 3 mois alité à l'hôpital d'Onka suite aux tortures que j'ai subies lors de mon arrestation au PM3. C'est l'ex-ministre Makanera Kake et son épouse Émilie Koivogi qui est une parente qui devrait m'aider à recouvrer ma liberté. Et pour une liberté d'une semaine, ils m'ont retiré ma maison à 430 millions de francs guinéens. On m'a dit de ne pas sortir de Conakry. Un matin, j'étais chez ma sœur. Après une semaine, c'est l'épouse de Makanera qui m'a appelé de venir manger chez eux et me retourner. Étant dans la cour, Makanera a reçu un coup de fil pour dire de me retourner encore à la maison centrale. Voilà qu'il a déclaré hier, le capitaine Marcel Guilavogui. Je vais vous dire rapidement, puisque le docteur qui l'a reçu est là-bas, il va vous donner le diagnostic. C'est pas suite aux tortures. Il avait un problème de foie. Ça n'a rien à voir avec les tortures. Tout ce que moi j'ai dit, je vous donne la preuve. Mais ce que je vais vous dire, et oui, vous pouvez vérifier, si j'avais voulu m'enrichir en Guinée, j'allais être riche. J'ai aidé des gens qui sont milliardaires. Je ne les ai pas demandé même un franc. L'un de mes témoins, c'est le père de Lamine Kirassi. Il a un de ses amis qui avait un problème de 2 milliards. Il a tout fait, il n'a pas pu récupérer. C'est qui exactement? Non, le père, non, je ne veux pas citer les noms des gens ici. D'accord. Le père de Lamine Kirassi est mon témoin. C'est Bourama Kondé qui m'appelle, aide ton frère de Boké pour qu'il récupère ses 2 milliards. Je l'ai aidé, il a récupéré. Il a donné 1 500 000. J'ai donné aux petits. Ils ont dit de retourner. J'ai dit non. Si vous retournez, il va croire qu'on a fait pour l'argent. Et il y a un autre qui est bien placé, qui est un multimilliardaire. C'est Tatavie qui me dit de l'aider à rencontrer Alpha. Tatavie aussi est vivant. Allez demander. Et même l'affaire de ceux qui sont en prison. Vous voulez parler avec Marcel, Monsieur Makanera, vous voulez parler de Bobo Denke? Laissons ça. Ah mais dites-le quand même si vous l'avez aidé. Comment ça, Bobo Denke? Oui. Vous avez aidé Bobo Denke à faire quoi? Non, je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'est pour dire que si je voulais avoir de l'argent. Non, Monsieur Makanera, ça. Non, mais vous n'allez pas nous faire cela quand même. Et soyez plus précis. Qui vous avez aidé à rencontrer Alpha Condé et qui aurait dû quand même vous verser quelque chose d'important? C'est qui? C'était qui à l'époque? L'argent, il allait payer. C'était qui à l'époque? Moi, je n'étais même pas ministre à l'époque. Hein? Oui, mais Mohamed citait le nom de Bobo Denke. C'était lui ou pas? Oui, effectivement, j'ai été celui qui a mis Bobo Denke et Alpha ensemble. Tatavie est témoin. Donc, pour la première fois? Pour la première fois. Très bien. Tatavie est témoin. Makanera, pourquoi? Vous pouvez le demander. Pourquoi alors? Parce que chaque fois que je parle, je cite un témoin. Monsieur Makanera. Le problème de Marcel est parti de là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre Marcel et moi? Moi, j'ai horreur du mensonge et de l'injustice. Ouais. Marcel m'a convaincu qu'il n'était pas au stade, il avait fait l'accident. Maintenant, j'ai démarché. Paix à son âme, Sidi B, qui a reçu Marcel pour la première fois. Je l'ai appelé. J'ai dit, mon jeune frère, il y a mon beau qui a été accusé. Comme c'est que le droit qu'il a interrogé, je voudrais que tu m'aides à établir la vérité, à le rétablir dans ses droits. Il est venu jusqu'à la maison à Nongo. Il dit, grand frère, j'ai dit oui. Il dit, laisse le dossier là. C'est moi qui ai interrogé Marcel pour la première fois. Marcel était au stade. Je ne me suis pas limité là-bas. J'ai parlé avec son avocat. J'ai dit, aidez-moi à avoir un papier qui prouve que Marcel était à Ambroise Paré. Il dit que le dossier là était à la maison, c'est perdu. J'ai dit, mais quand on va à l'hôpital, tu es enregistré au moins dans un registre. J'ai pas pu trouver la solution là-bas aussi. On envoie des gens chez Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré sort son boubou pour dire, vous voyez les traces du sang là, c'est Marcel. Depuis ce jour, moi je me suis retiré complètement dans le dossier de Marcel. Bien dit. Complètement. Donc en définitive? En définitive, je persiste, je signe. Oui. Que je ne connais même pas où se trouve le bâtiment de Marcel. Je n'ai jamais vu le bâtiment de Marcel.
je n'ai jamais parlé de bâtiment de Marcel avec, pour la vente avec quelqu'un qui a acheté. Mais pour cela, je voudrais cette fois-ci que vous preniez tout votre temps pour rechercher la maman de Marcel, son avocat Déa. Ouais, son avocat, qui le défend maintenant là. Bien. Qui est en train de le défendre. Et ses soeurs, pour dire que si moi j'ai assisté même à la vente du bâtiment de Marcel. Voilà qui est dit. Mais quand même, moi je ne suis et pas allons... n'importe qui. Bien, nous allons vraiment nous atteler à cet exercice-là de rechercher, la maman, les proches de Marcel Guilavogui, tout comme son avocat. Savez, oui. Vous savez, Marcel. Là, on a marqué la pause. Mais monsieur Kaké, si, voilà, vous avez, il vous reste des choses à dire, donc on sera obligé de vous reprendre dans la troisième partie. Si vous n'avez pas d'autres engagements, mais voilà, l'essentiel est dit. Merci à vous. Sauf si, voilà, encore une fois, je le rappelle, vous voulez nous dire des choses davantage. Voilà, on marque la pause et on revient. Je voudrais rapidement dire que franchement, je tiens. Je ne le fais pas pour me défendre, hein, parce que je sais, il peut rien faire contre moi. Je le fais pour l'opinion. Et pour qu'on sache, Marcel qui est à la barre, quel homme il est. Bien. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci, Monsieur Makane Kaké, ancien ministre, leader du parti FND. Il répondait à nos questions suite aux accusations portées à son encontre et à l'encontre de son épouse par l'accusé Marcel Guilavogui. C'était hier à la barre du procès des massacres du 28 septembre au tribunal délocalisé de Dixine. On revient dans quelques minutes.